Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nous sommes de retour sur World Rare Z, puisque comme je vous l'avais dit, on a fait une vidéo sur le solo pour voir ce que ça valait. Et maintenant, aujourd'hui, je vous propose une vidéo sur le multijoueur. Bon, le multijoueur, alors, trouver une partie, qu'est-ce qu'on a? Partie rapide, domination, roi de la colline, match de mort avec Horde. Avec Horde, qu'est-ce que ça veut dire ça avec Horde? Ok, raid de récupération, la chasse au vaccin. Faut les classes un petit peu ce qu'on a. Survivant, fusil de chasse, trappeur, fusil de reconnaissance, spécialiste, carabine d'assaut, fusil de combat pour le chien de guerre, fusil de précision, fusil de chasse, fusil bullpup, fusil d'assaut, pistolet mitrailleur. Oui, ça c'est une vector, ça. Hein. Pistolet mitrailleur, ok, d'accord. Bon, on va tenter ça, on va voir ce que ça vaut. On va faire une partie rapide, j'ai pas envie de non plus chercher pendant 107 ans. Du coup, c'est avec combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 joueurs. Ok, c'est des games à 8 joueurs. Et là, je suis en quoi? Personnage? Bon, je prends une... Lui, j'aime bien, lui. Hein? Et on va prendre... Chien de guerre. Allez hop, rien que le nom, j'aime bien. Domination avec Horde. Mais avec Horde, ça veut dire quoi? Genre, on se bat contre des hordes de zombies, en fait? Mais qu'est-ce que c'est? Moi, il comprend pas. Ah, mais attends, mais ça a déjà commencé, regardez, on a déjà perdu. Eh, c'est de la triche, ça. Du coup, ça veut dire quoi, domination avec Horde? Ah, faut prendre les points. Ah, ils ont de la domination, tu me diras. Il m'a un peu soulevé, lui. Par contre, j'ai l'impression qu'il faut beaucoup de balles, non? Ok, moi j'ai tué des zombies, c'est bien. Hein? J'ai tué des zombies, allez. C'est ça, en fait, le truc Horde, en fait. C'est un mélange multijoueur avec Horde. Casse-toi. T'as pas sonné. Casse-toi aussi, on t'a pas sonné. T'as pas sonné, j'ai dit. Mais putain, mais tu vas te coucher, oui? Attends, mais on a perdu déjà, c'est nul. On nous a mis dans une... Je l'ai eu, mais difficilement, hein. Your team captured point Charlie. Je l'ai eu, mais je me suis fait souhaiter. Par contre, hey, il faut beaucoup de balles. Vous savez à quoi ça me fait penser? À The Division. J'ai pas de grenade? Comment il a fait pour lancer des grenades, lui? Pourquoi j'ai pas de grenade, moi? Bah ouais, il contrôle tous les points. On se fait sous-sous, nous. Bah ouais, mais attends, mais... Arme lourde, prête? C'est quoi? 3. Ah, une batteuse! Ah, pour être une arme lourde, c'est une arme lourde, hein. Putain, comment tu les sous-sous avec ça? Ouais, ouais, on va peut-être éviter. On va déjà capturer ça, là. Il est pas mal cette clash. Aïe. Des zombies dans le hangar. Ah, je me casse, je veux pas des zombies moi. Je suis contre les zombies. Oh putain, oui. Ah, oh, ouais, d'accord, ouais. En fait, t'es en plein fight, t'as une putain de horde qui t'arrive sur la gueule. Oh, mais what? On se casse! On se casse, frérot, on se casse! Ah, on a perdu. Mais en même temps, on est arrivé, il y avait 140 points de différence. Comment tu veux gagner? Je suis quand même premier. Capture et défense 5. Oui, non, mais je suis quand même premier. On notera quand même que je suis premier. Vas-y, relance. Et on va jouer avec... Il y avait quoi d'autre, là? Allez, vas-y, Alaka. Vas-y, go. Et nous sommes dans le vieux musée. Toujours en domination, hein. C'est toujours le même mode de jeu. Ah, ok. Donc cette fois-ci, c'est bon. On commence sur une partie toute neuve. J'ai une petite AK, j'ai 40 balles. On est bien. Je connais pas du tout la map, hein, bien sûr, vu que c'est ma deuxième game dessus. Ah, y'en a un qui l'a. Oh, me casse, attends, attends. Comment j'ai fait tout à l'heure pour changer de... Ah, c'est ça. Ah, c'est pas ça que je voulais faire. Prends-moi mon arme principale, wesh. Allez, un kill. Deux kills. Oula, oula, pique, pique. Oh, c'est bon, mais il l'a eu. Ah, y'a des zombies. Poussez-vous. Non, derrière. Bah oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien évidemment. Hein, toujours que ça arrive par derrière. On aime bien me faire le cul, moi. Eh, faut pas que ça devienne une habitude, hein. C'est bien qu'on puisse aussi switch de côté. Mais ouais, ça me fait penser à The Division, en fait. Monsieur, faut mourir. Y'a une horde qui arrive, là, ça veut dire, non? Parce que sûr qu'il y a une horde.
En fait, les sensibles sont un peu élevés aussi quand même. Il y en avait un autre derrière, bah oui, tout à fait. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Ah. Par contre, l'arme que j'ai, elle est assez puissante en vrai. Hush! J'ai un demi-PV, cousin! Ah, on reprend de la vie! Bien ça. Meurs! Attends-moi, cousin! Je peux pas courir! Ah bah non, je voulais me tuer. Non, il y avait personne. Dommage. J'aurais pu faire un carnage avec mon arme lourde! Ça, c'est chiant en fait que ce soit. Que pendant un certain temps, c'est dommage. Zombie dans la cour. Ah! Ça va pas du tout flipper. Petit bruit des familles là. Oh putain, c'était pas l'endroit, allez! Elle voulait pas mourir, elle. Saloperie, va. Bah oui. Bah oui, forcément, Toto, tu peux pas tout faire tout seul, hein. Ah, tu me l'as volé! Ah putain, dans la course, c'est ici. Ah! Ils sont par là-haut! Ah les bâtards! Oh, il m'a découpé en rondelles! Oh l'enculé! J'avais pas qu'on pouvait. Mais comment il fait? Moi je veux savoir! Oh my god! Oh my god! Putain, y'en a trop! Des zombies. Encore me découper en rondelles. Allez, on gagne. 4 points et on a gagné. Arme lourde. Ah bah non, on n'a pas eu le temps. Ah bah non, on n'a pas eu le temps. Pas du tout. Bon bah voilà, une petite victoire. Hein? On a fait quoi du coup? 3880 points, 11 points de capture et de défense, 18 victimes pour 8 morts. Ça va, zombie tué 26. Voilà, ça va pas. Ah ouais, l'autre il a fait ses points juste en tuant des zombies. Très bien. Bon, et bah voilà, hein, du coup soutien, ça me fait passer un petit rank, deux petits ranks même, hein, voilà. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu sur ce fameux World War Z en multijoueur. Rapidement, ce que j'en pense, c'est que il y a de l'idée, c'est assez sympa, voilà, tu vois, il y a des zombies, t'en tues, t'as des ennemis à défoncer aussi. Par contre, des fois j'ai l'impression que ça ne touche rien, le fait que ça soit la troisième personne et tout, des fois ça fait un petit peu bizarre. Mais ça me fait penser à The Division. Ça me fait un petit peu penser à The Division, voilà. Mais pour un jeu de zombies, je dirais qu'il est assez cool. Après, je suis pas sûr que le multijoueur soit quelque chose qui va vraiment marcher. Attends, je veux pas refaire de game là. Je suis pas sûr que le multijoueur va être quelque chose qui va cartonner. Je dirais que pour le solo et le coop, ça peut être juste assez délire. Pour voir ces putains de hordes de zombies escalader les murs, de faire des petites défenses et trucs comme ça. Mais voilà, en tout cas, pour ce multijoueur, si jamais vous voulez que je refasse, eh ben je referai, hein, bien évidemment. Et puis, ben, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, de prochains lives. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, toujours plaisir. Et n'oublie pas le petit like des familles. Et puis, je te fais des gros poutous comme d'habitude. Salut tout le monde, ciao ciao, bye bye.